Chérie, tu es là? Je suis inquiète. Oh, je vois ce que tu veux dire. Attends, qu'est-ce que c'est? Un bébé normal? Ça ne devrait pas être le cas. Juste une seconde, je vais arranger ça. Docteur, c'est pour vous. Wow, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voyons voir. Oh mon Dieu, ok, je crois que j'ai quelque chose pour vous. Super, mais qu'est-ce que c'est? Une pilule de diamant? Vous êtes sûr que ça va nous aider? Bien sûr, chérie, tu peux faire confiance à ce médecin. Bon, bah alors, je vais prendre ça. Tout de suite? Bien sûr, n'ayez pas peur. Allez, allez, chérie, je suis là. C'est fait. Et qu'est-ce que ça fait? C'est ce que nous sommes sur le point de voir. Alex, regarde ça! Un beau bébé riche. Juste ce que nous voulions. Alex, je suis trop heureuse. Mais... arrête! Qu'est-ce que c'est? Je crois que le bébé arrive. Oh, chérie, qu'est-ce qui va pas? Respire, Maeve. Respire! Au secours! Ouh, regarde cet adorable bébé. Un vrai miracle. On doit rentrer à la maison. Merci, docteur. De rien. Quelle merveilleuse journée. Réveillez-vous. Bonjour, mademoiselle Abby. Oh, pourquoi je dois me lever si tôt? J'ai tellement sommeil. C'est l'heure de vous brosser les dents. Pas mal. Deuxième étape, les cheveux. Très bien. Et voici votre look pour aujourd'hui. Super. Allez, c'est l'heure du cours. Bonjour, prof. Est-ce que mes devoirs sont prêts? Bien sûr. Mais chut. Parfait. Il est temps d'avoir de bonnes notes. Wow, bon sang. Passez une bonne journée. Bonne chance avec tes cours. C'est enfin l'heure du déjeuner. Profitez de votre repas. Et ceci est pour vous, mademoiselle Maeve. Merci, ça a l'air délicieux. Et c'est vraiment savoureux. Bon travail. Tu as raison, c'est génial. Incroyable. Vous êtes sérieux? Comment on peut manger ça? Quelle odeur! Ça me donne envie d'y goûter. Bien, je crois que je sais ce qu'il faut faire. Psst, Barbara, c'est pour vous. Profitez-en. Merci, mademoiselle Abby. C'est tellement délicieux. Je suis affamée. C'est bon, je peux arranger ça. Voilà! Ma petite friandise! Maeve, qu'est-ce qui se passe? Où va-t-elle? Je comprends pas. Abby, qu'est-ce que c'est? De la pizza? J'adore! Donne-la-moi, je vais enfin avoir un bon repas. Non, non, non! Les millionnaires ne mangent pas dans des boîtes froissées. Nous avons besoin de la meilleure pizza riche. Pas de problème, elle sera bientôt là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Prends! Waouh, tant de sélection! Ah ouais, c'est différent. Allez, choisis quelque chose. C'est délicieux. Essayons. C'est pas mauvais. En fait, c'est plutôt bon. C'est vrai. C'est ce que j'appelle de la nourriture de millionnaire. C'est l'heure du thé. Allez, rejoignez-moi, je vous attends. Pas maintenant, chérie, je suis occupée. Papa, c'est pour toi. Pas maintenant, Abby. Mais pourquoi? C'est pas juste. Abby, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne faites jamais attention à moi et je m'ennuie. Oh, on va devoir régler ça. Calme-toi, bébé. On va certainement trouver une solution. Tiens, ma puce. C'est ton ami maintenant. Vraiment? Tu ne t'ennuieras pas. Salut. Enchantée de te rencontrer. Waouh, c'est merveilleux. Merci. Passez une bonne journée. Revenez nous voir. Tu es réel? C'est fou. Eh bien, prenons le thé. C'est pour toi. Je suis désolée, mais je passe mon tour. Ça ne marchera pas. Tu dois le boire. Pas question. C'est tellement compliqué. Que dis-tu de ça? Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est triste. Je crois que je suis malade. Maman, papa, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est bon, papa va trouver une solution. Choisis une nouvelle maison. Pas vraiment. Que penses-tu de celle-là? Ah, ça c'est plutôt bien. Bien, 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 qu'avons-nous ici?
$5 ? Ce magasin a de très bons prix. Waouh, quel truc géniaux ! Oh, ça sent les vêtements bon marché. Waouh, quelle licorne mignonne ! Maman, je peux ? Excellent choix. Prête à passer à la caisse ? Sérieusement, un sweat à capuche générique. Et il ne coûte que $5 ? C'est inacceptable. Oh, ça suffit. Tiens, Abby. Voilà, là, on l'achète. Et ce magasin doit travailler sur sa réputation. À partir de maintenant, on ne vend que des objets de créateurs coûteux ici. Waouh, d'où vient tout ça? C'est fou! Maman, t'as tout gâché! Je ne veux pas de cette licorne de créateur! Et Abby, qu'est-ce qui va pas? Tiens, je vais prendre ce chemisier. Voilà! 5 $? Pas question, regarde l'étiquette du prix. Cet objet vaut $5000. Vous allez devoir payer. Quoi? Pas question, rendez-moi mon argent. Portez ce chemisier vous-même. Bonne journée. C'est la journée des parents à l'école. Kylie, parle-nous de ta famille. Mes parents sont des personnes très créatives et on passe beaucoup de temps ensemble. Qu'est-ce que je fais? Où sont papa et maman? S'il te plaît, maman, décroche. Allez! Super, c'est un sacré butin, n'est-ce pas, Alex? Allez, papa, réponds! Où sont-ils? Combien ça coûte? Génial, c'est le bon moment pour investir dans la crypto. Oh non, ils sont encore occupés. Merci, Kylie, c'était très intéressant. Eh bien, à toi maintenant, Abby. Viens, on est impatients de t'entendre. Moi? Ok, juste une minute. Que faire? Il doit y avoir un moyen de sortir. Oh, c'est ce qu'il me faut. J'ai une faveur à vous demander. C'est une merveilleuse occasion de gagner de l'argent. Waouh! Vas-y, je ferai n'importe quoi. C'est fou, j'ai jamais vu autant d'argent auparavant. C'est une fortune! Super, vous serez maman et vous, vous serez papa. Suivez-moi. Nous voilà. Je vous présente mon papa et ma maman. Oh, quelle odeur! C'est affreux! Et voici notre arbre généalogique. J'aimerais vous parler de tous mes proches. Wow, ils mangent des restes? Regarde ça, c'est fou! T'as raison, ils perdent beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils font? Regarde-les! Oh, mais ils sont fous! Oh non, ils se moquent de nous! Et quel genre de comportement est-ce que c'est? Vous me faites honte, sortez d'ici! Enfin, eh bien, tu ne peux pas choisir ta famille. Super vidéo! Ouais, t'as raison. Quelle intrigue originale! Qui c'est? Tu attends quelqu'un? Allons voir. Alors, qui est-ce? Bonjour, je suis ici pour voir Abby. Entre! Attends, je dois vérifier quelque chose. Non, ce type n'est pas bon. Ce type est trop pauvre pour notre fille. Au revoir. Mais pourquoi? Beau travail. À quoi s'attendait-il? Notre fille mérite mieux. C'est sûr qu'elle le mérite. Abby, mon Abby, descends vers moi. C'est quoi ce son horrible? Oh non, c'est encore lui! Comment ose-t-il? Je déteste ce garçon! Je vais m'occuper de ça! Allez, Alex, montre-lui qui est le patron! Eh bien, il ne veut pas le faire de la manière gentille! Eh bien, qu'est-ce que c'est? Abby? J'arrive pas à le croire! Elle l'aime bien! Eh bien, c'est complètement hors de propos! Et toi? Allez! Bien que... elle a l'air vraiment contente! On devrait peut-être pas contrarier Abby! Et regarde! Voilà, beaucoup mieux! Fais ton mieux, ma fille te regarde! Bien sûr, elle va adorer! Je ne crois pas qu'elle t'entende très bien! Attrape ça, Abby, c'est pour toi! Merci, elles sont magnifiques! Papa, regarde le gâteau! Je peux en avoir un exactement comme lui? Abby, tais-toi, j'ai une conversation très importante! Oui, bien sûr, c'est une idée géniale, faisons ça! Encore une fois, ils sont trop occupés pour faire attention à moi. Wow, allez traîner, ce serait bien. Maman, papa, je peux y aller? Eh, vous m'entendez? Abby, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas que je travaille? Tu es très distrayante pour ta mère et moi. Combien de fois dois-je te le dire?
S'il te plaît, ne te mêle pas de tout. Trouve quelque chose à faire. Pas de problème, c'est ce que je vais faire. Waouh, trop cool! Maintenant, on peut parler. Tellement d'adrénaline! C'est fou, j'ai des vertiges! Il est temps de te reposer. Que dirais-tu d'un jeu vidéo? C'est une excellente idée. Oh non, Alex, Abby! Ou une autre fille! Elle est partie! Comment ça? C'est pas possible! Alex, fais quelque chose, s'il te plaît! C'est tout ce qui reste! Ma fille! Maeve, tu es malade? Réveille-toi! Alex, trouve notre fille, je t'en supplie! Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger, je vais tout résoudre! Bonjour, toutes les chaînes, maintenant! Notre fille a disparu! Très bien, allons-y, ça va être la bataille du millénaire! Cool, voyons qui est qui! Attention, ceci est une information très importante! La fille des millionnaires a disparu! Vous pouvez la voir sur l'écran! Nous espérons vraiment qu'elle sera retrouvée. Une récompense a été annoncée. Oups, je crois que je dois y aller. Au revoir, à plus tard. Décrivez votre enfant, s'il vous plaît. Elle est très petite, elle est haute comme ça, avec des cheveux bouclés. Très jolie et intelligente. Écrivez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma fille, tu es là. Abby, tu nous as fait tellement peur. De quoi vous parlez? Je vous ai prévenu. Vraiment? Papa, regarde le gâteau, je peux en avoir un? Ah, mais oui, bien sûr, comment pourrais-je oublier? Il y a un concours de talent à l'école. Abby est déjà sur scène et on dirait qu'elle pourrait bien gagner. Elle est très bien, je l'aime bien. Oui, il y a quelque chose d'assez génial chez elle. Oh non, maman et papa ne sont pas encore là. Il ne se soucie pas du tout de moi. Oh, qu'est-ce qui va pas avec elle? Non, ça ne le fera pas. Eh bien, on devrait chanter ensemble, Abby. Oh, vous êtes ici avec moi? Le joyeux trio est là pour rester. Notre chanson familiale va vous époustoufler. Nous y voilà, c'est tellement mieux. Ils s'en sortent très bien. Bravo, c'est génial. Merci à tous! Et voici nos gagnants! C'est pas vrai, on a gagné! C'est tellement génial! Et le mieux, c'est qu'on est ensemble!